Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerti sur Clash Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de, selon moi, le meilleur deck pour le défi terrain boosté. On part directement dans la première game. J'ai fait, je crois, 13-14 games avec, j'ai perdu 3 games. J'ai dit 20 fois game dans cette introduction, mais partons dans la première partie. C'est parti. Oh le flop. J'ai voulu alterner, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire game, je vais dire partie. J'ai réussi à le répéter 2 secondes après. Non mais ça, si c'est pas effrayant. Bon, comme vous le voyez, on part sur un bon deck golem élixir. Et ça, c'est beau. Ça c'est quelque chose qu'on aime. Voilà, le golem élixir, c'est une carte rassurante. Je te dis, je fais mes poches. Il y a bien un moment où ça va passer. Il y a bien un moment où en face, ça va craquer. Et honnêtement, bah, je pense que c'est une réalité. Alors là, par contre, j'aime pas ce qui se passe. Parce que là, ils vont devenir invisibles et mon dragon, il va se faire focus, ce golemon. Oh. C'est effrayant. C'est juste effrayant. Ok, le début de game est conflictuel. Voilà. Moi, je préfère être franc. Ok. Pourquoi pas. Soit. C'est pas fou. Ce qui se passe n'est pas forcément ce qui était attendu, hein. Ça je vous l'avoue directement. Après, en soi on est toujours devant. Oh si le... Oh là là, cours champion, il sera jamais à l'heure. Mais non, il va aller taper de la recrue. Misère. C'est pas grave. Je me suis dit, ah si le phénix il connecte sur la tour, ça pourrait être pas mal, quoi. Ça pourrait être... ça serait sympa, mais bon. Apparemment il a d'autres plans de vie, c'est pas grave. Bon. Là, on subit un peu dans le foin. Je vous avoue, on subit un peu, quoi qu'on est toujours devant au score, en soi. Mais bon, c'est pas fameux, quoi. Je pense que je vais tout attirer là. Honnêtement, je pense que c'est mieux à faire. Ça force un peu un fût à barbare. Je pense qu'il l'aurait mis dans tous les cas, mais... Ok. Et là, on va être dans le x2. Là, ça va être plus intéressant, déjà. J'ai juste peur, par contre, s'il allait recruer Evo, ça peut être peut-être... Ça peut poser problème, ça. Ouais. Vite, rage. Il est lent. Ok, c'est pas grave. Attends. Ça, priorité. Priorité au direct, les gars. Ok, ça c'est pas mal. Après, il est obligé, en vrai, tu vois, il est obligé de double sort sur le truc. Donc, en vrai, de vrai, c'est pas si mal. Je vais tout ramener parce que ça le tue en fait. Je pensais pas que flèche ça tuait avec la tornade. Ok, 3 coups de flèche. Oh non, il a mis deux coups. Oh ça j'aime pas. Là ce qui arrive sur la tour, ça me plaît que moyen là. Ça je peux l'avouer aisément. Ok. Pourquoi pas. Ok, le petit rage qui part directement. Ça va être chaud là. Là, ça va être chaud. Ok. On part en golem Elex. Faut pas trembler. Là, s'il a recyclé les cochons, je peux vous dire on est mal. Hein. Ok. On trust. On envoie tout sur le côté et on met les dernières flèches qui vont aller terminer la tour avec le dragon. Première victoire. Alors, pour savoir, pour l'anecdote, au début, je comptais présenter recrue. Et sur la première game, je me suis fait fumer. Non. Mais je mélange tout. Là, les gars, je mélange tout. Bref. Du coup, le deck, si vous voulez le copier, c'est celui-là. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez le jouer. Et du coup, pour vous dire, voilà, dans l'historique... Oh, attendez, j'essaye de cliquer sur historique. Bah, y a quand même pas mal de victoires. Alors, il y a 2 défaites, si je ne me trompe pas. Ok, ouais, pas mal. Et première game, je suis tombé sur recrue, je les ai éclatés. Alors que de base, je comptais présenter recrue. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas try le deck. J'ai fait une série de victoires. Hop, 1 game lose, 2 game lose, 3 lose. 3 lose, my bad. Et on repart directement dans la 2e game, donc le deck il passe super bien. Voilà, de base je me suis dit, tu vois, avec le deck que je voulais présenter, donc pour ne pas répéter une 15e fois les recrues, tu peux push sur les deux côtés, tu vois. Tu peux aller des deux côtés, tu peux prendre les deux bénéfices des 2 sorts. Mais j'ai l'impression que je ne devais pas dire non au destin. Voilà, ça c'est une réalité. Alors attendez, parce que là, ici, tout ça, ok, ça se passe mieux que ce que je pensais. Ils m'ont tout tué, c'est une masterclass, ok.
Ok. On se calme. J'ai cru carrément que j'allais prendre la tour. J'ai cru carrément que j'allais prendre la tour. Bon. Nous sommes face à Krikko, hein. Je ne l'ai pas précisé. Mais Krikko, c'est... On sent que c'est un vrai joueur, là. Par contre, ouais, il commence à y avoir une recrudescence de recrues. Je sens que tout le monde a capté la bêta, là. Et ça me fait peur. Parce qu'en choix, je pense qu'on a un bon deck si les recrues évoluées n'existaient pas. Les recrues évo, c'est vrai que ça pose problème, hein, mine de rien. Ça pose quand même pas mal de problèmes. Là, on peut activer la tour avec tous ces cochons. Ok, pas mal. On prend un peu de dégâts des deux côtés, mais c'est pas si grave que ça. On est pas mal, là. Là, honnêtement, on est vraiment pas mal. S'il peut aller gérer le bourreau, c'est un héros. C'est un héros. Non, c'est un héros. Il faut le dire. Parfois, il faut savoir reconnaître quand nos troupes font des choses exceptionnelles, font ce qu'on veut. On se plaint assez quand elles manquent de jugeotes. Donc, remercions-les quand le moment est venu. Ça, c'est beau. Et là, on part Golem Elixir. Et là, je peux vous dire... Ah là, je peux vous dire, je sens qu'il va mal le vivre. Après, il a un recrue un peu spécial. Et je pense qu'il est même plus potentiellement problématique. Parce que dans le sens où Dragon électrique, Bourreau, tout ça, c'est des cartes qui peuvent poser problème dans nos push. Et là, on va voir les doubles rages. Le Dragon électrique n'a même pas récupéré les rages. Oh là 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 là. Oh, le massacre en perspective. Alors, attendez, parce que là, on a quand même du boulot à aller chercher. On a de la défense, les dragons. Les barbares d'élite qui font parfaitement le taf ici. Oh là 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 là, le dragon électrique, mais quel travail! Oh là là, c'est beau. Non, c'est beau. Il faut le reconnaître. Il a la défense sur les cochons, mais c'est free, c'est de l'offre. À chaque fois, il m'offre 5 élixirs tellement la défense, et on a trop de trous pour les défendre. En fait, le push qu'il devrait me faire, ce serait vraiment recru cochon. S'il me fait recru cochon, là, je pense que c'est plus compliqué. Là, je pense honnêtement que c'est un peu plus dur. Après, en vrai, je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Mais bon, là, par exemple, je vais mettre un petit dragon de sécurité. Parce que s'il part en cochon derrière, on est un peu mal. Ça, c'est une réalité. Ok, il part comme ça. On va faire gaffe. Hein. On va quand même faire gaffe. Ici, on met petite tornade accompagnée de flèches. Ah, je peux vous dire que c'est... En fait, là, tu te dis, j'ai trois petits sorts, ok. Mais trois petits sorts qui font quand même du dégât. Tu vois, t'as un gros push qui arrive. Tu mets rage, tu mets tornade, tu mets flèche. Bon, le gros push, déjà, il reste pas grand-chose, hein, finalement. Et là, ça peut être chaud. Parce que là, à la fois, je peux pas trop défendre comme je veux. Alors déjà, pas avoir des vies ici. Ouh là là. Ouh là là, ça peut poser problème, tout ça. Ok. Ok. Et là, j'accélère. Et là, j'accélère. En fait, à travers ses sorts, ça le force à surdef. Et moi, ça me permet de plus gratter. Alors, mine de rien, j'ai pas tant gratté, là, quand même. Il va falloir faire gaffe. Je peux pas mettre les flèches. Les flèches, je les garde pour ici. Ok. Le tout avec un tirage. Et comme vous voyez, en vrai, que vous preniez mon deck ou que vous preniez recrue, je pense que ça doit se jouer. Après, à voir quand même. À voir, j'avoue que je ne sais pas quelle version de recrue peut être vraiment, vraiment forte. Mais je pense que ce sera soit un deck comme le mien, bien solide, qui force et qui passe quasiment, c'est sûr de pouvoir passer avec, soit potentiel. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, les gars. Je me suis fait braquer. Bah ouais, bah c'est bien fait pour moi. Non mais les gars, des fois, faut savoir accepter la défaite. On part dans la troisième game, je vais vous prouver que ce deck vaut quelque chose. J'ai vu le bourreau sur la tour, je me suis dit, c'est mes derniers instants. C'est fini. Les gars, c'était la fin du rêve. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je sais pas ce qu'il m'a pris comme focus, ce bourreau. Mais là, il m'a troll, là. Là, il m'a carrément troll. Alors lui, il part en golem comme ça. Là, c'est là où il n'y a plus aucun. Là, franchement, si j'enchaîne les loses, je vis mal. Parce que honnêtement, j'ai enchaîné les wins pendant un moment. Ah non, franchement, il ne peut pas me faire ça.
Supercell ne peut pas me faire ça, les gars. Ce serait même plus de la trahison, là, à ce niveau-là. Ok. Et là, j'attire le tour. Là, j'attire le tour sur la tour du roi. Et là, il est déjà mal. Parce que là, je pense qu'en face, il aimerait carrément que son golem disparaisse. C'est pour vous dire. Bah, j'ai pas l'impression, vu qu'il est en train de l'accompagner. Mais là, les gars, je pars en poche comme ça. Ah non, 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 non. Pars pas. Oh là là, let's go. J'ai pu soigner le phénix. Alors, c'est dommage qu'il va pas chercher les deux fioles d'élixir et de... Ouais, ça c'est dommage. Ok. 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 Oh là là, mais ça fait un taf. Mais ça fait un taf. En fait, faut vraiment jouer autour des troupes d'accompagnement. Et là, hop, tu peux te permettre de flèche tout là-haut parce que tu sais que tu vas quasiment prendre la tour avec ces deux boulettes d'élixir. Et là, c'est déjà quasiment plié parce que son golem, je peux vous dire que je lui réserve les barbares d'élite. Ah, je peux vous dire que son golem, il va passer un sale quart d'heure. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, là. Ok. Et ouais, en plus, il repart pas en big push. Il préfère accompagner sa Valkyrie. Je sais pas si c'est une bonne idée. Là, je temporise tranquillement. Je peux mettre ma tornade un peu plus tard. De toute façon, sa sorcière, elle connectera jamais à ma tour. Là, c'est fini. Hein. Là, en 1 minute 9. Honnêtement, je vois pas comment il passe. Peut-être s'il fait un big push et que je rate ma défense, il y a possibilité, mais bon. Non, je pense que c'est plié. Je vais même... Oh non, je voulais partir de l'autre côté. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais de toute façon... Ah, mon golem élixir, lui, il en a rien à faire. Hein. Lui, à droite, à gauche... La droite, la gauche, c'est pas son dos. C'est pas son problème. Ok, alors... Non, 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 l'arty. Non, l'arty. Non, à l'arty. Moi, je vous le dis directement, je dis non. Voilà, je dis non. Parce que je crois que aucun de mes trois sorts en fit ne tue l'arty. Hein. Je crois qu'il faut au minimum mettre les trois. Alors, je suis pas sûr, mais je m'avance peut-être, là. Là, je m'avance peut-être dans quelque chose de faux. Voilà, ça, c'est possible. C'est une possibilité. En tout cas, franchement, face à Golem, pas le moindre problème pour l'instant. Rien à signaler. Je pense que le match-up le plus embêtant, ce sera contre Recru. On va quand même partir dans une quatrième game parce que là, tu vois, 2-1, tu sens encore l'hésitation. Tu te dis, ah, le deck est pas mal, mais à voir encore. Donc, vous allez voir, on part dans la quatrième game, c'est parti. En fait, le problème de ce genre d'événement, de ce genre de défi, c'est que là, je pense que tout le monde, mais tout le monde va se mettre à jouer recrue, hein, parce qu'ils vont tous se faire taper par recrue. Et vu que, alors j'ai un ratio positif contre recrue, mais le ratio reste, tu vois, je dois avoir deux victoires, non, je dois avoir trois victoires pour deux loses. Donc en fait, si dans le défi, tout le monde, absolument tout le monde joue recru, là peut-être que mon deck va devenir compliqué. Si les decks sont normaux et enfin à peu près comme si c'était du ladder, quoi, mon deck, je pense qu'il passerait très bien. Et le nombre de recrues va peut-être devenir un problème parce que ça va devenir un peu plus aléatoire de gagner contre recrues, donc à voir. Non, mon phoenix qui renaît pas. Il ne renaît pas de ses cendres. Quel dommage. Est-ce que je peux aller... Ah, je vais devoir le défendre, le prince. Ouais. Non, des fois, il faut... Ok, on prend le risque. On assume. Parfait. Nickel. Nickel. Oh, le petit dernier coup d'électro-dragon, là. Magnifique. Un pur bonheur. Et là, on repart, hein. Là, on lâche plus la pression. Oh, quand t'as ton électro qui est full vie, tu lâches une tornade. Pff, quel bonheur. Quelle beauté. Oh là là. Oh, la foudre a fait mal. Oh, oh la foudre a fait mal. Comment je gère, là? Heureusement qu'il focus à Nightwitch. Je vais mettre des petites flèches ici. Ouais. Ça peut être chaud, là. Je vais pas vous mentir, ça peut être tendu cette histoire. Ok. Ok. Ok, on s'en sort. On s'en sort plutôt pas mal. Alors là, la foudre, va falloir être intelligent. Du coup, si on part en golem, faut partir en golem Elex. Ok. Soyons plus intelligents. On va plutôt défendre son push. Je pense que la défense du push sera plus intelligente. Ok.
Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est super bien joué de notre part parce que du coup, le phénix, il va renaître. Et du coup, c'est comme si ça trouve. Sa foudre, globalement, elle servait à pas grand chose. Là, en plus, son golem qui temporise toutes ses troupes, on va pouvoir accumuler. Et du coup, ça va faire que. Il peut pas forcément foudre ce qu'il veut. Là, il va surtout foudre bah, ce que sa foudre veut bien foudre. Et là, pour l'instant, on peut vraiment gratter. On fait un bon bénéfice en élixir. Là, il va falloir qu'il rajoute. Si sa tour tombe, c'est fini. C'est fini, les gars. Ça va faire 3 victoires. Une défaite dans ce défi. Franchement, le deck est pas mal. Mais il est quand même. En fait, il est meilleur que Recru. Enfin, je sais pas s'il est meilleur que Recru. Disons que j'arrive mieux à jouer contre Recru que Recru arrive à jouer contre moi. Cependant, le ratio est tellement serré que si absolument tout le monde joue Recru, bah, au moment du challenge où vous aurez 12 games à gagner, ce sera difficile de faire 12 wins en ne pouvant vous permettre que 2 défaites. Donc, à voir comment évolue la situation. Si vraiment les Recru se popularisent, ce sera peut-être plus le meilleur deck. Pour l'instant, moi en tout cas, je m'en sors super bien avec. Alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que le ratio, les gars, le ratio est solide. Ça, je vais pas vous mentir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, c'est long. Hein. Allez, j'en ai fait des games. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. 18 games. 4 défaites. Franchement, le ratio est ultra correct. Maintenant, avoir contre cru. Voilà, j'ai quand même perdu une fois contre cru. En tout cas, n'hésitez pas à tester le deck avant de l'utiliser dans le défi et dites-moi ce que vous en pensez. C'était LaOzerty. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça encourage de fou. Nous, on se retrouve demain, comme tous les jours, pour la vidéo quotidienne. À demain. Prenez soin de vous. Ciao.